Et bonjour à tous, c'est Jean 2 pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur Village Defense. Donc l'IP du serveur sera dans la description. Donc voilà. Petite vidéo récapitulative. Donc je serai à l'expo des cubes et des pioches le 27 septembre. Donc déjà, je vais vous rapidement vous expliquer le but du jeu. Donc il y a tout début, vous voyez à droite, il y a 7 joueurs. Il y a un ennemi qui a spawné. Donc en tuant un ennemi, vous gagnez une gems, donc de l'argent, on va dire. Une pièce de monnaie. Et avec cette pièce de monnaie, vous pouvez vous acheter des machins ici. Donc par exemple, si vous tuez un bébé zombie, bah vous gagnerez plus de gems. Si vous mourrez, vous perdez pas tous vos gems, mais vous perdez tous les objets que vous avez achetés. Pardon. Maintenant, il faut les récupérer, les gems. Hein. Là, vous voyez, j'en ai déjà 21. Ce qui est pas mal. Ok, donc vous voyez, les villageois, et il faut les protéger. En même temps, c'est que vous ne récupérez pas tout de suite les gems, ce que je trouve assez dommage. Parce que les autres peuvent vous piquer vos gems. Je trouve ça très dommage. Donc le ressource pack, bah c'est... celui-ci. Non, ah mince, c'est... Reblons Voicewounds. Enfin voilà. Mince. Bah, de toute façon, là j'ai rien acheté, donc si je meurs, c'est pas si grave. Donc il y a moyen de se suicider avec ça, mais je vais peut-être pas le garder là. Vous voyez, à chaque fois il y a de plus en plus de mobs, mais en même temps il y a de à chaque fois il y a plus de villageois qui apparaissent. Oui. Donc celle-là c'est pas spécialement la map la meilleure. La meilleure map, pardon, pas la map la meilleure. Donc le shop se reset à chaque fois après 10 waves. Là on est déjà à la 5ème. Vous pouvez voir j'ai. Non, non, lag. Voilà, je suis mort. Donc vous allez voir, bon, mon épée c'est l'équipe de base, donc je l'ai récupéré. Et au tout début, on avait droit à prendre des kits que je n'ai pas fait. Malheureusement. Donc qu'est-ce qu'on peut s'acheter? J'ai 106 gems, on sait encore rien s'acheter. Pas à manger. Donc voilà. 150 gems. Ah oui, à chaque fin de wave, vous gagnez de l'argent. Juste me... Aïe. Donc les bébés zombies, c'est juste un truc impossible à tuer. Mais ça donne pas mal de gems. Mais après, cette map, c'est vraiment pas la... Vous pouvez aussi voir les points de vie au-dessus des trucs, mais vous me connaissez bien, je pense que le commentary c'est pas trop mon truc. Hey, je vais juste me mettre là au-dessus et là c'est quasi impossible que les mobs m'atteignent. Boom. Aïe, celui-ci et ce petit con qui me tire dessus. Ok, il dit que c'est... Il est méchant. Oh la vache! Oh. Parce que les chiens me tirent dessus si je vais tout en haut. Boom. Je vais juste m'acheter un petit truc, donc désolé. Non. Shift. Si boom. J'y arrive. Boom. Voilà. Alors, oh tiens, des bottes tendent deux et l'autre qui me tire dessus.
Bon, bien sûr, j'ai... Oh non, un bébé. J'ai pris... Ok, on gère. Faut que je me prenne une épée parce que c'est pas trop ça. 200. Allez, j'achète. Boom. C'est parti. Pour l'instant, on est assez bien équipé. J'aime. Oula, il avait une hache. Ils sont assez puissants, hein, les petits zombies avec une hache là. Alors faut que je régène. Faudrait peut-être que je m'achète une petite pomme. Donc en fait, les ressources packs, c'est tous les sons de Minecraft, mais avec des sons. Avec les. C'est tous les sons de Minecraft, mais fait avec la voix, quoi. Bref, c'est juste pour les loots. Kablam! Et non, ce n'est pas du plagiat envers les Patrick, non, parce que je connaissais déjà ce ressource pack avant. Ah, voilà. Ouh. Je sens pas trop. Donc, vous pouvez voir, Wave, c'est la vague, hein. Donc, on est déjà à la vague 10. Mourgor, c'est déjà un truc assez pas mal. Un record assez pas mal. Oui, ça se dit. Ça se dit bien. J'ai dit de la merde. Alors. Donc, je rappelle que le but c'est de protéger les villageois et pas se faire le meilleur stuff du jeu. Hein. Ce qui essaie de dire à comprendre là. Ils font mal. Hein. Au secours. C'est le stress. Donc là il reste plus que deux joueurs survivants. Dès qu'on sera tous morts, ben on a perdu. Ou dès que les villageois sont morts. Et là je vais mourir. Il est où le seul survivant? J'espère que c'est le mec VIP là avec ses boules de feu cheaté. Non, même pas. Fait que de la merde. Bref, on se retrouve pour la prochaine partie. Et nous revoilà. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un diamant qui se nomme Kit Shop. Vous avez juste à faire un clic droit. Vous pouvez choisir. Donc, il y a des kits VIP, etc. Et donc, moi j'aime bien soit le tank. Il y en a un qui est pas mal. Gambler, ça peut être pratique. Ça augmente les chances des drops rares. Ce qui est pas mal, c'est... Voilà, Phoenix. Ça vous garde un des objets que vous avez acheté dès que vous mourrez. Donc ça peut être pratique. Et je viens de faire n'importe quoi. Je viens de faire une grosse bêtise. Oh mince. Bon bah désolé. Désolé, la grosse bêtise à ne pas faire. C'est faire un petit clic droit sans faire exprès. Je vais prendre celle-là à la place. Donc, on va prendre Phoenix. Hop là. Donc vous pouvez voir que j'ai 4421 diamants. Avec les diamants, on peut acheter des. Par exemple, vous voyez ce kit, il coûte 25 000 diamants. Moi j'ai que 4400. Par exemple, je peux encore m'acheter aucun kit. Donc je vais juste sur une ellipse le temps qu'on ait des gens. Voilà, donc j'ai pris la map River, donc j'ai changé. À moins que j'ai repris la même sans faire exprès, mais voilà, on va commencer. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur mon serveur, donc ce sera sûrement un serveur parcours, etc. Mini-jeu, hein. Comme je l'ai dit, mais c'est qu'un projet. Je sais pas si je le financerai pour qu'il soit public, mais en tout cas, j'utiliserai à des fins privées. C'est parti. Je sais plus c'est laquelle là. Oh, elle est trop chaude cette map. Elle est trop chaude, mais en même temps, elle est pas mal. Est... À moins que.
Il a moi. Oh, il l'a eu. Bon, est-ce que c'est la map que je crois? Non, je n'ai jamais joué sur cette map. Ce qui est assez important à savoir. Hein. Utile. J'arrive t'aider, chers compatriotes. Voilà, j'ai gagné un gems. Ok. Je pense que c'est en fonction des dégâts qu'on donne aux zombies. Les trucs qu'on gagne. Hey. D'ailleurs, dédicace à Bernard Beber Thorlinden, s'il regarde cette vidéo. Bonsoir. Fuck. Bon, désolé, je suis un petit peu... pas assez excité. Je m'excite. Connard de zombie, Et voilà. Je gère. Pour l'instant. Où ça? Putain de. Connard de. Il a moi, il a moi, il a moi, il a moi. Yes, je vais. J'aurais petit bout. Alors, une fois manger. Hop. J'ai pas assez pour m'acheter. Ouais, c'est 50. Attends, après c'est chaud pour avoir les gems parce que au début c'est tout le temps un petit peu embêtant parce que tout le monde se jette sur les zonzons. Bon, après à un certain niveau il y aura Herborines, le roi des zombies et tout, et c'est assez bien fait. Et après ça vous drop la. C'est pas Herborines, hein, c'est Herobrine. Et alors, ça drop la tête d'Herobrine et une épée, mais c'est une. TP pourri en bois. Il est juste tout puissant parce qu'il lance des éclairs et tout. Et c'est swag. Yeah, swag. Il me pique. Mais j'aime ça. D'ailleurs, la 1.7 sera bientôt disponible vu qu'ils sont déjà en train de corriger les bugs. Et d'ailleurs, on est jeudi. Ils ont pas encore sorti de les snapshots, je crois. Ce qui est assez bizarre. D'ailleurs, à propos de la nourriture, je. Ouais, non, ça risquerait d'être trop dur à vous expliquer. Hey! Désolé pour ma voix, je sais pas ce qu'elle a ces temps-ci. Ok. Ouh, le petit bébé. Enfin, un petit bébé comme ça. Parce qu'à un moment, ils auront des armures genre en fer et en diams. Et ben, ça va facilement tuer. Parce que, genre, à un moment, il y aura un gros mob comme ça et nous one-shotter et tout. Et c'est assez chaud. Et sinon aussi il y a un kit qui vous permet de faire spawner des villageois. Donc ce qui peut être assez pratique. Car vous avez seulement 3 œufs de villageois pour toute la partie. Mais ça peut être assez pratique. Parce que par exemple vous le mettez à un endroit inaccessible pour les zombies. Et voilà. Et voilà quoi. Oh j'ai géré. Il me faut de l'argent quoi. Oh. Alors, 307. Je vais m'acheter ça. Protection 1, c'est pas mal. Ok, gros freeze. Enfin, c'est un deck de serveur. Après, c'est pas l'argent qui manque, hein. Après on monte, à la fin on monte
assez facilement. J'ai déjà eu une fois, au moment où on gagnait genre 600 rien qu'à la fin de la vague, donc ce qui était assez pratique. Et donc au moment où j'ai déjà eu genre plus de 1000 gemmes que j'avais jamais dépensé. Sharpness 4 c'est 500 et le shop il se reset maintenant. Je vais m'acheter une épée en fer parce que c'est pratique. Et alors là il y a un. Et là ils commencent déjà à avoir des épées. Bien sûr ils vous font. C'est quoi ce TP là? Cheat! Petit zombie cheat là. Je dis de la merde. Ouais. Il me fait pas gagner beaucoup d'argent, c'est un petit peu dommage. Je gère. Nous gérons la situation. Plus ou moins. Oui, à droite, il reste combien d'ennemis? Aucun. La wave est finie en fait. J'en sais rien. Il y a quand même Ghost, il y a quand même 6 morts. Hein. Avant, ils nous mettaient les. Ok. Ils sont. Ah, ben voilà. Alors. Donc, l'IP sera dans la description. Alors, je vous la donnerai après. Voilà, ça, c'est pratique. Je vais pas manger maintenant. 14 gemmes, c'est pas assez. Et sinon, vous avez ennemi et donc ça vous permet de. Les ennemis restants. Donc ne vous énervez pas devant votre écran en disant pourquoi tu manges ta bouffe maintenant, tu devrais la manger quand il reste seul, quand on t'aura perdu 4 gigos. Mais ce n'est pas grave. Pour une seule raison, parce qu'il y a. En fait, ça c'est une barre qu'on voit, mais à l'intérieur il y a aussi une barre, donc. C'est assez difficile à comprendre, mais dedans t'as la saturation et t'as, on va dire, la barre physique, celle qu'on voit. Et donc, ici, ça remplit. Donc ici, c'est une part de 10, mais ça en remplit en réserve, quoi. Donc ça remplit 10, mais on voit que une petite partie de toute notre, de tout ce qu'on a bouffé, quoi. Donc en somme, là, c'est comme si j'avais. Donc ça revient au même que si j'en mange ou quoi. Enfin voilà. Enfin vous ne comprenez pas mais c'est pas grave. Ah, je vais m'acheter des trucs. J'ai juste aller au-dessus parce que pour m'acheter quelques petits trucs. Parce que moi j'aime bien m'isoler. Je ne suis pas un campeur. C'est quoi que j'ai? Un casque. Je vais économiser. Vous voyez, ça vaut deux shots, hein, les petits zombies avec les mitaches là. Enfin, ça c'était des gros. Oh, j'ai eu un drop. Aïe. Moi j'ai compris. Je me barre. Je me. Casse d'ici. Vous voyez le petit zombie avec la petite épée là. Je l'ai eu. 46 gemmes. Il reste combien d'ennemis? 2. Ok. C'est à l'aise. Allez bébé. Bébé.
un creeper. Là-bas. Moi je suis anti parce que moi j'ai un putain d'ordi de merde. Je suis mort. Merci. Ok, j'aurais pu m'acheter celle-là. On a la wave 13. Yes. Donc je... Ok, donc j'ai récupéré seulement mon épée dedans. On récupère qu'un seul objet, hein, avec mon kit. Mais j'ai 480. Avec juste un peu, je pourrais m'acheter. Ok, j'ai assez. Je me prends ceci. Parce que moi je suis un fou. Comme ça je pense que je one-shot les zombies avec ça, genre. Dans le genre. Un truc bien puissant quoi. Bon là j'ai pas besoin de les utiliser. J'ai 201. Qu'est-ce que je peux m'acheter? 300. Hey. Aïe. 271. Il y avait pas un truc à 250, j'ai vu. Dégage. Je vais mourir. Je suis trop jeune. Non, allez, là j'ai une bonne épée, j'ai pas envie de mourir. On part d'ici. Il reste combien de jours vivants? 6. Voilà, donc je ne mérite pas de mourir. Je ne le mérite pas. Alors. Torrance 1, je prends ça. Il y a mangé. Donc voilà. Ouh, bah, ça va bientôt être la fin de la vidéo, je pense. Bon, allez, on termine ça. Ah, bah, c'est la fin de la wave et j'ai gagné 156 en argent. Je vais vite remonter en haut avant de mourir. Oh, bah, y a Robrine. Au secours. Je restais ici. Oh la vache. C'était hardcore. C'est très très chaud les amis. Faut que je régène. Il y a des sorcières et tout. Ok, y a déjà... Non. Non. A l'aide. Non, je suis mort. Justement, ça va être la fin de la vidéo, donc je pense que là on est, on a perdu. On va le suivre, genre c'est une aventure hyper stylée. Bon, bon. Une petite musique épique. Téléphone. Ouais, il y a plus de 3 jours restants, je sais pas où ils sont. Ok, il y en a un là au modulo. Ok, il est une bonne... Ok, vous voyez, à droite, il reste plus qu'un village de vivants. Ça va être chaud, on va mourir. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Ok, il est là. Il y a personne. C'est ce que j'aime bien parce que parfois, il y a des villageois buggés. Et alors les mobs savent pas les...
les toucher. Allez, s'ils arrivent à tous les tuer, il reste 4 ennemis. Et comme ça, on pourra ressusciter. J'espère que mon kit me redonnera la bonne épée. Parce que parfois, il vous donne juste une pièce d'équipement au lieu de la bonne épée. Ça, je trouve ça un petit peu mal foutu. Parce que c'est random. Hein. Random. C'est aléatoire. Allez dans les rivières, il y en a un. Le deuxième, je sais pas. Ah, il y a une grotte ici. D'ailleurs, il y a aussi des bugs. Un petit bug exploitable dans le mode spectate. Même quand on est spectate, vous voyez, on peut bouger les mobs, regardez. Clunk. Vous voyez, on peut les pousser, ce qui est assez cool. Donc parfois on peut arriver à les pousser dans le vide. Parfois. Hein. Parce que là il y a une map qui ne le permet pas. Mais voilà. Bon. Il reste plus qu'un ennemi. Ils vont voir le squelette. Et on va pouvoir ressusciter. Ok, donc il y a des... Il y a des Espagnols ou je sais pas quoi, des Italiens, on sait rien. Ils ont bien géré. Et là, je n'ai rien récupéré. Merci. Oh, si. Yes, j'ai récupéré ma super épée. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Je vais voir si je peux m'acheter un truc. Aïe. Oh, merci. Qui m'a donné ça? C'est pas grave. Merci quand même. Et avec ça, je vais m'acheter à manger. Pas mais j'aime ça. Bouh, 235. Ça, c'est pas n'importe quoi. Hein. 275. Ici, c'est 300. Le choix est difficile. Ok, donc il y a plus de 3 joueurs en vie. Ça va être assez chaud. Ça. YOLO. Je retourne à mon emplacement. J'attire un petit zombie. Voilà. Le kill. Et voilà, on a perdu. Tous les zombies ont été tués. C'est triste. GG. Donc, c'est la fin de cet épisode. Et à bientôt. Pourquoi il veut pas écrire? C'est pas grave. À bientôt pour le prochain épisode. Salut.